match est très dangereux face à une très bonne équipe. Hein. Franchement, il y a de très très bons joueurs dans cette équipe. Donc oui, ce match est dangereux et oui, il faut l'appréhender comme un match de phase finale et un match qui sera âpre et qui sera dur. Donc il faut se méfier. Ouais. Pourquoi c'est une bonne équipe? Parce qu'ils ont des internationaux au milieu du terrain. Parce qu'ils savent jouer au rugby et qu'à tout moment, ils sont capables de débloquer les situations. Deux jeunes joueurs qui ont signé, qui jouent tous les week-ends, qui ont signé dans un grand club de la capitale. Il y a de très bons joueurs sur le terrain, franchement. Il y a de très très bons joueurs. Il y a deux meilleurs gratteurs du championnat. Il y a de très bons plaqueurs aussi. Dans l'animation, ils sont capables vraiment de mettre à mal toutes les équipes. Donc j'ai la faiblesse de penser que oui, c'est une très bonne équipe. On ne se projette pas encore là-dessus. On veut se qualifier, ça c'est une certitude. Être dans les 6, oui. Ça fait un petit moment qu'on ne le cache pas d'être dans le wagon des 6 premiers. Maintenant, on sait qu'il nous reste 3 matchs âpres à disputer. Nous, il faut qu'on se concentre sur les 3 derniers matchs. Et nous, ce qu'on veut, c'est dès qu'on joue, c'est une victoire. Ils ont de très bonnes touches et ils font de très bons balls. C'est sur la moitié de leurs essais. C'est sur ball qui les marque. Donc devant avoir un gros boulot, il va y avoir client en face, donc il va falloir qu'on réponde présent.